Mais à quoi ça te sert de faire ça, sérieux? Tu sauras bien. C'est à la femme de t'expliquer. Juste explique-moi! Non. Mais pourquoi? Pourquoi tu me le dis pas? On n'a pas le temps. Pas le temps de quoi? On n'est pas pressé? On a l'épisode de Costard Noir à tourner. Mais ça fait même pas 5 minutes, je suis sûr. Vas-y, tu commences l'engueulade quelconque. Ok? Mais je dis quoi? Commence l'engueulade, tu la commences avec, tu sais, le quiproquo là qu'on avait imaginé, tu sais, avec la lampe. Tu commences l'épisode. Donc, tu sais bien, l'épisode de Costard Noir, on avait discuté avant, c'était une engueulade, hein. Un peu comme celle-là qu'on vient de faire. Mais on a un peu plus poussé quand même, ok? Bon, commence l'épisode. Tu commences avec le quiproquo, tu sais, à propos de l'histoire du bol, là, qui était le bol qui disparaît d'un coup. Ok? 3, je vois pas ce que tu parles. 2, 1, action. Pendant le dernier épisode de Costard Noir, tu sais, le bol disparaît, puis ensuite tu m'engueules à cause de ce bol à la con. Allez, vas-y. Mais c'est pas moi qui l'ai pris le bol! Ouais, mon cul, ouais. Un bol plein de céréales, de magnifiques petites... Non mais sérieux... C'est... Ok, alors, imaginons que ce soit moi. Pourquoi, je dis bien pourquoi, tu voudrais que je pique un putain de bol de céréales? J'adore ton mouvement avec les... Allez, on a refait le truc de Costard Noir. On refait les... C'est pas grave. Donc, engueulade du bol, prise 2. On va réussir à la faire, celle-là. Épisode de Costard Noir, prise 3. T'es au courant qu'on est en train de faire un truc quand même un petit peu sérieux? Et qu'on parle d'un bol de céréales? C'est dans le dernier épisode de Costard Noir. Oui, mais... Ouais, bon... Tu... Ok, bol noir, bol de céréales, prise 4. Prise 4. Voilà. J'ai mis la gueule, ça. Merde. Allez. Prise 5, Costard Noir, le bol. Le fameux bol. Bon alors, pour la énième fois, pourquoi? Mais pourquoi tu aurais voulu que je prenne ce bol? Mais je sais pas, moi, j'ai dit ce bol, il est rempli de céréales, évidemment. Ça paraît complètement évident que tu le prennes. Tu... Oui, mais attends, tu crois que je suis une grosse bouffe des céréales? Bah évidemment. Attends, c'est complètement évident que t'adores les céréales, toi. Tu me les piques tout le temps. Tout le temps au goûter, tout le temps partout. Putain, tu me piques les céréales, bordel. Mec, tu me vends des céréales, là, putain. Putain, on dirait tellement une engueulade. Ah, c'est pour... C'est vrai qu'on est quand même en train de t'engueuler pour des céréales. Attends. T'inquiète, c'est métaphorique. Est-ce que tu crois que... Franchement, je pense que c'est le truc épique dans le script. Franchement, c'est le meilleur truc du script. Allez, on continue. C'était magique. Voilà, c'est ce que tu veux qu'on dise. Prise 7, Costard Noir. Mais, à propos de ce bol d'ailleurs. Ouais. Pourquoi tu l'as piqué? Mais pourquoi est-ce que tu aurais voulu que je le pique? Allez. Ouais. On parlait du bol déjà. Alors, tu dis pourquoi tu prends le bol? Pourquoi j'aurais pris ce bol? Pourquoi j'aurais pris ce bol? Ok. Pourquoi j'ai repris ce bol? Hein? C'est quoi cette voix de tapette? J'ai pris la voix qui m'a donné. De tapette! C'est sidéral, c'est juste pitoyable! Ouais, je pense que c'est énormément pitoyable. Prise 8? Ouais, prise 8. 7 ou 8, on s'en fout. On est. Costard Noir, prise 8. L'action! Stylo fou. Prise 9, Costard Noir. Le bol. Donc on marche pas. Pourquoi ce bol? Pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu prends toujours là? Attends, mais il avait quoi? Pourquoi il a quoi de spécial, ce bol? Mais ce bol spécial. Mais c'est drôle, c'était les dernières céréales qui restaient. Je l'avais acheté avec ma propre argent. Mais c'est bol, ils ont... Oh, attends, calme-toi, parce que vu ce que tu gagnes comme argent de poche, franchement, moi, je serais toi, je me calme. Oh là, il y a la bague, il va dire. Les arguments, ils sont nuls à chier. Je sais, mais je suis en train de faire un mocha plus tard. Avocat, mon cul, si quelqu'un...
Caca. C'était pas mal ça aussi. Je pense que ça ira pour Costard Noir aujourd'hui. Je voulais juste vérifier un truc. Ouais. Ouais. Hein? Les cassettes elles sont là. Tu au cas où. La lampe elle est là. Ouais. Pas la peine. Je. Tiens. De quoi? Bah la lampe. Torche. S'il vous plaît. Non, vraiment, si j'ai pris les cassettes, c'est pas pour rien. J'ai changé un petit peu. Mais c'est à court. Quoi? C'est à court en ce moment? Je suis plutôt short en ce moment au niveau des cassettes. Ah ouais. Du coup, je change souvent. Parce que là, il y a très peu de minutes sur, il y a très peu de temps sur cette cassette. Ah ok. Là, je vais sortir la méga VHS qui elle a plus de bandes celle-là. Donc. Bande plus.